putain. Il y a un zombie à gauche. Clairement. Pouvant encore ouvrir les portières et les coffres de la voiture grâce au bouton. Message de Monsieur Raccoon. Salutations tout le monde, c'est votre copain du zoo de Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Connaissez-vous les jouets Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que cet encadrement l'est utilisé pour s'entraîner au tir et ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis c'est dangereux, ne le faites pas. A bientôt au zoo, Monsieur Raccoon. Ça se trouve, si on trouve la clé pour aller ouvrir ce truc, et bah... Et je t'ai vu!
Voilà, c'est mieux. C'est plus sûr. Non, ça ne se tire pas. Tant pis. Bon, y a rien. Y'a rien. Ah, y'a un zombie. Non, c'est bon. Dans le doute. Voilà. Mieux. Rien. Un zombie. Bon bah en fait on va retourner au commissariat. Quoi? Je t'ai tiré dessus, connard! Nah! C'est bon, t'es mort! Madame. C'est bon. Mais par sécurité, madame. Et rien du tout. Un homme blanc âgé de 39 ans, retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens, les poings encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Sans doute mort peu après l'extinction des feux, le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises et a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic. Toujours mort, toujours mort. En chenille, il reste quelque chose? Ah, c'est bon. Yes. Pellicule.
commence à être encombré. Et alors, sacrément encombré. Qu'est-ce que je vais foutre de tout ça? Bon, déjà... Voilà. De contact de voiture, elle est tordue. Ok. Crosse de Mathilde. Oh yes. À Mathilde. Wouah! Wouah! Il prend plus de place que le fusil à pompe. Wouah! Ouah, j'en reviens pas. Voilà. Bonjour madame. Salut. Ouais, je vais enlever sa casquette. Pourquoi je le sens très mal? Si un jour toutes ces cellules s'ouvrent, on est dans la merde. Ils vont tous se relever parce qu'ils sont en scénarium. Ouais, non, pas tout de suite.
Oh, cinématique. Y a quelqu'un? Oh. Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut, l'humain. Depuis quand vous êtes là? Ah, trop longtemps. On est les derniers survivants? Non. Non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons? Le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi? Comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ses magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé, je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Eh merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez, allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou. Quoi? Oh mon dieu. Bah, je crois que c'était Monsieur X. Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça! Je connais même pas votre nom! Ah, d'accord. Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Marché conclu, Ada. Ah, quelle horreur. Il a l'œil qui ressort. Coucou. Là, je comprends pas ce qu'il faut faire, mais... Oh, la manivelle! Est-ce que le responsable pourrait vite régler ça? Tout le monde doit le savoir, mais vu de l'âge du panneau électrique, les cellules vont avoir bientôt besoin de pièces et que plus personne ne fabrique, il doit y en avoir dans la salle du générateur. Me signale qu'il n'y a qu'une seule de ces pièces dans la salle du générateur. Le type venu réparer la cloche de la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Il faut que quelqu'un lui pique, lui demande gentiment. Ok. Maintenant, moi, j'aimerais bien aller sauvegarder. Non, parce que c'est pas que sauvegarder serait intéressant, là, mais sauvegarder serait intéressant. Budu. Est-ce qu'on peut redescendre pour aller sauvegarder? Oui. Yes. Hop. Parce que là, je commence à avoir trop de trucs sur moi. Hop. Pause, de toute façon j'y pense jamais aux grenades. Pause. D'ailleurs je vais déposer la clé.
Et nous sauvegardons, cher journal. Me suis trouvé une waifu. Sur ce, j'espère que ça vous aura suffisamment diverti. Parce que, oh là là, on a bien avancé. Sur ce, des bisous.